Salut Thomas. Salut Xavier. Le Challenge Tir Sportif 2023. Ça y est. C'est parti. Ouais. Du début juin jusqu'à fin juillet. Tout à fait, ouais. On va essayer d'organiser ça avec des disciplines supplémentaires. Bon, ben c'est à mon tour, hein. Allez, go, c'est parti. Alors, pour ce petit challenge, aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'arme longue. Qu'est-ce que j'ai besoin pour l'arme longue? J'ai besoin d'une cible, d'un fusil. Aujourd'hui, j'ai sorti mon Lee Enfield et j'ai besoin de 15 cartouches. Rien de bien compliqué. Sans oublier un petit tapis pour être bien plus à l'aise. Bon, pour réaliser cette petite vidéo du Challenge Tir Sportif 2023, j'ai installé mes caméras et j'y suis vraiment allé à la cool parce que je me suis vraiment pas occupé de l'image. Je me suis concentré sur les tirs et uniquement les tirs. Malheureusement, j'avais mal fait le réglage d'une caméra, celle qui filmait au moins la cible, et c'était légèrement flou. Bon, dans les images qui vont suivre, vous inquiétez pas, je vous ai mis les scores et les points d'impact pour bien voir où je tirais. Et dans l'ensemble, honnêtement, c'était plutôt pas mal. Voilà. Petit rappel concernant le challenge tir sportif arme longue. 5 munitions d'essai et ensuite 2 fois 5 munitions. Donc vous tirez sur une cible C50 à la distance minimum 200 mètres. Et on comptabilise donc ces 10 derniers tirs. Bon ben maintenant, à vous de tirer.